It's that Zep, Stoop, Bo, no, Shima, Flow. Yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une super compo HDV12. Je vous dis, j'ai pris mon inspiration de la dernière vidéo de John de Shib of Clan. Il a fait une composition que j'aime beaucoup avec 30 mineurs et 14 cochons. Donc je me suis dit, je vais la tenter avec mes héros 60-60, ça va sûrement être excellent. Donc je l'ai tenté et mes fois les résultats sont très bons. On va regarder dans le chat, j'ai publié 4 vidéos que je voulais qu'on révise ensemble. Donc, tout d'abord, pour commencer doucement avec un HDV11, donc ça va bien permettre de pouvoir vous expliquer la technique. Dans une P1, vous allez devoir envoyer le roi, la reine, ainsi que le démolisseur. Et ce qu'on va viser? Eh bien, on va viser principalement le château de clan. Mais on veut avoir un petit peu plus que le château de clan. Idéalement, on aimerait ça avoir soit l'aigle artilleur, soit une tour de l'enfer. Le plus de trucs possible. Avant de lancer le roi, la reine, le démolisseur, eh bien, on va avoir les bébés dragues pour nous créer un certain funnel. Donc, si on lançait le démolisseur tout de suite, on ne réussirait pas à rentrer à l'endroit que l'on désire. Donc là, vous voyez, mon objectif est de rentrer sur l'aigle artilleur et sur le château de clan. Donc, j'envoie un bébé drague de chacun des deux côtés. Là, déjà, le funnel est quand même pas pire établi. J'envoie le démolisseur, la reine derrière. J'attends souvent que le trou soit fait avec les premiers murets avant d'envoyer le roi. Donc et voilà, le roi est lancé. Donc là, le renfort sort, c'est un gros renfort, plein de sorciers. On met le poison. Ok, une chose qui est importante, dès que vous voyez que le démolisseur va être détruit, vous envoyez un rage et un soin. Parce que dans le démolisseur, vous allez remplir de boulistes. Donc, les boulistes, une fois enragés et avec un sort de soin, ça va faire un carnage. Là, vous voyez, le renfort était bien sorti. J'ai décidé d'envoyer les mineurs et les cochons. Et vous envoyez l'ensemble des mineurs et les cochons derrière. L'avantage de ça, c'est qu'ils vont pouvoir profiter les deux de sorts de soin. Donc, c'est parti. J'ai peut-être lancé les mineurs cochons un peu tôt. Dans un monde idéal, la P1 aurait détruit l'aigle artilleur. Donc ici, c'est peut-être une petite erreur dans la technique. On a deux sorts de gel. Là, pour les sorts, vous pouvez y aller comme vous voulez. Pour les sorts de gel, j'essaie souvent de geler les tours de l'enfer ou sinon des grosses défenses qui vont nous nuire. Donc, et voilà. Là, il faut dire que c'est contre un HDV11, donc la ville n'a aucune chance. Ça fait un carnage total. Et voilà. C'est vraiment une destruction. Donc, on va faire le reste en x3. En x2, excusez. Vous voyez, j'ai pas perdu grand-chose. Mais là, c'est contre un HDV11. C'est pour se pratiquer un petit peu. Maintenant, on va passer au deuxième gameplay. Le deuxième gameplay est sur un HDV10 plutôt fort. Donc, on va faire une petite pause. Regardez-moi ça. C'est très fort comme HDV12. Je pense que ça va être le HDV12 le plus fort qu'on va voir dans la vidéo. Donc, Giga Tesla niveau 5, Tour de l'Enfer de niveau max, Aigle Artilleur niveau max. Les 4 Arcs sont niveau max, ma foi. Il est vraiment très fort. Il y a plusieurs murs de niveau max. Donc, comme je vous dis, dans la P1, on doit absolument aller chercher le château de clan. Donc, probablement, là, je me souviens plus de quel côté je vais attaquer, mais probablement que je vais aller attaquer pour aller chercher le château de clan. Donc, c'est parti. On va regarder de quel côté je vais envoyer les bébés dragues. Ça? Par où? Là, je pense que je suis en train d'analyser la ville ennemie. Parce que là, il ne faut pas oublier, ce n'est pas des attaques de GD6, c'est des attaques de farm. Donc, je profite souvent de toutes les 30 secondes au complet avant de lancer mes troupes. Un premier bébé drag ici. Un deuxième là. Donc, je vais sûrement envoyer le démolisseur directement sur la tour d'archer dans le but d'aller chercher
le renfort, c'est ça. Donc déjà une partie du renfort est sortie. La reine va se faire un petit plaisir. Un renfort mineur qui sort. Probablement que c'était un renfort que le gars voulait plus un renfort offensif, mais... Ok. Là, malheureusement, on n'a pas réussi à détruire le mur max avec le démolisseur, donc ça c'est un petit peu plate. J'aurais aimé ça que les boulistes aillent détruire la tour de l'enfer, mais ça n'a pas réussi. Donc, à la place, les troupes vont tourner. Là, j'ai décidé d'envoyer les mineurs et les cochons de ce côté. Pourquoi j'ai choisi ce côté? C'est principalement pour essayer d'aller attaquer l'aigle artilleur le plus rapidement possible. Si on ne réussit pas à aller détruire l'aigle artilleur le plus rapidement possible, l'attaque peut pas réussir. Donc là, c'est parti. On va surveiller nos cochons, nos mineurs pour les soigner. On est plutôt patient avec le premier soin. On va sûrement mettre un deuxième soin vers le nord. Ouais. Vous remarquez que le grand gardien, lui, je l'envoie avec les mineurs cochons. Et autant que possible, je vais garder le pouvoir du grand gardien quand c'est une Giga Tesla de niveau 5. Je vais la garder pour la Giga Tesla. Là, malheureusement, l'aigle artilleur s'en va un peu par le côté. Donc là, je vais mettre un sort de soin. Un des avantages des mineurs, c'est qu'ils sont très rapides pour se mettre dans le sol. Je pense qu'ils ne meurent pas avec la Giga Tesla. Donc là, vous voyez, ils ne sont pas morts. Destruction! Hey, c'est une ville vraiment forte. Puis regardez, il reste quand même pas mal de mineurs. Ça fait plaisir. Donc, vous pouvez voir avec cette attaque la puissance des mineurs cochons. Ils sont bien... Ils vont bien ensemble. Donc, on va passer au troisième gameplay. Ça, c'est un magnifique 3 étoiles. Boom! Donc, on revient dans le chat. On va passer au troisième gameplay. Bon, là, ici, on voit que c'est une ville qui est beaucoup moins forte, mais ça demeure un HDV12 avec la Giga Tesla. Encore une fois, c'est pour vous montrer le renfort. Bon, là, vous voyez, le renfort, il est de ce côté-ci et l'aigle artilleur, il est de l'autre côté. Donc, on ne pourra pas aller chercher l'aigle artilleur. Probablement, dans ce coup-ci, on va se contenter de seulement le château de clan. Je vais faire un petit accéléré. Vous pouvez voir le principe. On envoie tout le temps les bébés cochons de chaque côté. Oh! Cette fois-ci, je sais pas, j'avais pas remarqué jusqu'à présent, mais j'avais pas mes héros. J'avais seulement le grand gardien. Donc la P1, c'était seulement deux bébés drag avec le démolisseur. Donc là, vous allez pouvoir voir que même si je n'ai pas mon roi puis ma reine, ça a passé quand même. Bon, vous allez me dire que la ville n'est pas complètement maxée. Vous avez raison. Mais tout de même, réussir à faire un 3 étoiles sur un HDV12 sans le roi et la reine, c'est plutôt fort. Ça montre que la technique est assez cheatée. On gèle la Giga Tesla. On va sûrement l'argeler à nouveau. Il me semble que je devrais l'argeler encore. Ouais. On a déposé le dernier sort de soin. Est-ce qu'on en a assez pour faire le 3 étoiles? C'est chaud. Surtout qu'on n'a pas le roi puis la reine. On a un bébé drag ici qui va nous aider avec le clean. On va accélérer en x2. C'est un magnifique 3 étoiles qui l'eût cru, sans roi, sans reine. J'ai voulu vous montrer cette vidéo pour vous montrer que même sans le roi et la reine, des fois vous allez peut-être dire « Oui, mais toi, tu as des héros 60, c'est pour ça que tu réussis. » Mais regardez ici, sans roi, sans reine, j'ai tout de même réussi. Donc, il nous reste un dernier gameplay. Contre Karl. Il a une belle ville, les murs ne sont pas très forts, mais le restant de la ville est quand même assez fort. Donc, on va accélérer.
Donc vous voyez ici, le château de clan, il est collé sous les gardières. Ça, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on peut attaquer et essayer d'aller chercher les deux. Donc ouais, le démolisseur va être détruit sous peu. On envoie le soin, le rage. Baboum! Bye bye avec l'artilleur. Donc là, vous voyez la P1, là, elle a réussi à aller chercher tout le cadran nord. Elle a réussi à aller chercher l'aigle artilleur. À partir de ce moment-là, l'attaque est finie. C'est un 3 étoiles, c'est assuré. Quand la P1 réussit à détruire l'aigle artilleur plus le renfort, vous allez réussir des 3 étoiles à tout coup. Donc là, c'est chaud au centre de la ville. On va soigner le tout. Bon, là, j'aurais pu geler la Giga Tesla plutôt que de geler le reste. Ici, je l'ai bien gelé le deuxième coup. Et voilà. On va faire le reste en x2. C'est un carnage total. Donc, maintenant que j'ai mes héros 60, je vais pouvoir recommencer à vous faire plein de techniques d'HDV12. Ma prochaine vidéo sera sûrement sur l'électro-dragon. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.